الوطني ونظيره الكاميروني بدوالة الكاميرونية أيام قليلة قبل مباراة السد، عليه يلتحق بنا مباشرة من دوالة الزميل كمال مهوي. مساء الخير كمال. إذن مباشرة من دوالة، كيف هي الأجواء هناك والتحضيرات التي تسبق تنقل المنتخب الوطني إلى دوالة للمرة الثانية بعد الكان الأخير؟ تحية لك يا زميلتي ولكل مشاهدينا الكرام. من دوالة، المنتخب الوطني لن يتنقل إلى دوالة بل سيذهب إلى غينيا الاستوائية للتربص يوم 21 مارس قبل أن يلتحق ليلة المباراة هنا بمدينة دوالة. مدينة دوالة التي نملك فيها ذكرى سيئة حين أقصينا من الكان الأخير في الدور الأول، نطمح للعودة مجددا لهذه المدينة على أمل الفوز أو العودة بنتيجة إيجابية تمكننا من بلوغ مونديال قطر 2022. قبل ذلك تلفزيون النهار الأول هنا في مدينة دوالة لنقل الأجواء التي تعيش هذه المدينة لمعرفة كل صغيرة وكبيرة حول مباراة الجزائر، خاصة أن الكاميرونيون يحضرون بقوة لهذه المباراة ويعتبرونها عرسا كبيرا لبلوغ المونديال. التحضيرات متواصلة منذ وقت طويل وكل المدينة بالأخضر والأصفر والأحمر، أجواء رائعة شهدناها هنا في دوالة، ولا كلام يعلو فوق حديث الكاميرونيين عن التأهل لمونديال قطر. معي بعض الكاميرونيون هنا، لكن قبل ذلك لو يعطيك الصورة المصور دحمن، الكل هنا يعني توشحت بالألوان بأقمصة المنتخب الكاميروني، يعني كل شيء يعني جاهز للمباراة، للاستقبال يعني المباراة الهامة والفاصلة في ملعب جابوما بمدينة دوالة الذي اختاره الكاميرونيون لمواجهة الجزائر، رغم أنهم كانوا يستقبلون سابقا في مدينة ياوندي العاصمة الكاميرونية، إلا أنهم أرادوا أن تكون هنا المباراة في مدينة دوالة، هذه المدينة التي تتنفس كرة القدم كيف لا، وهي يعني موطن ميلاد النجم سامويل إيتو وأيضا روجي ميلا والعديد من النجوم في كرة القدم. معنا أحد الكاميرونيين المتعصبين هنا لمنتخب الكاميرون الذي أكد أن الفوز سيكون حليفهم، سنعود ربما استجوابه الآن. دابور اون سيمان بلوس لو ماتش، comment vous préparez le match algérien? Non, le match, nous, on est en train de préparer ce match. On prend ça au sérieux. On attend le 25 parce que tous nos gars sont galvanisés. Et nous, avec le nouveau coach que nous avons à l'heure actuelle, vraiment, c'est un homme de vraiment qu'on attendait depuis. C'est un ancien footballeur et que lui vient nous montrer comment tous les Camerounais sont fiers de l'attendre et voir comment lui va sortir ses griffes. C'est un ancien capitaine de Léon Dendomtap du Cameroun, et que tous les Camerounais le connaissent bien. C'est un homme très valeureux. Et lui, sur le terrain, il ne joue pas comme tout le reste. Donc, nous, les Camerounais sont gonflés à bloc pour attendre ce match, ce jour, le 25. Tout à l'heure, vous étiez très optimiste pour la victoire pour la victoire du Cameroun, nous, les Camerounais, on attend ça vraiment très bien, parce que le score serait même au moins 3-0. Vraiment, c'est ça que nous attendons depuis. Comment vous trouvez l'équipe d'Algérie qui a sorti de la première tour en Coupe d'Afrique? Nous, avec l'équipe de l'Algérie, l'Algérie ne nous influence pas. Le Camerounais attend ce jour pour vraiment jouer ce match. Et nous sommes là. Et comme le match se joue à Japoma, vraiment, et le stade de Japoma. Nous, on a nommé ce stade un stade, donc le stade cimetière. C'est là où on a creusé pour attendre l'Algérie. معنا مناصر اخر une semaine avant le match. Comment se présente le match algérien? Le match Algérie Cameroun se présente avec beaucoup d'optimisme du côté camerounais, mais je pense que jusqu'à présent on doit aussi faire attention à l'équipe algérienne qui malgré sa mauvaise prestation de la Coupe d'Afrique des Nations reste l'une des meilleures sélections africaines. Vous savez, l'Algérie avec ses individualités telles que Mahrez et les autres, on ne doit pas les prendre comme une petite équipe. On les prend très au sérieux. On doit prendre très au sérieux. On ne doit pas se fier à leur prestation de la Coupe d'Afrique des Nations.
parce que là, ça n'a pas endormi les Camerounais. Je comprends pourquoi les Camerounais disent que non, ça serait facile, ça serait ceci. Non, non, non. Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Donc l'Algérie est un gros morceau pour le Cameroun. Justement, parlez-nous de la d'engouement qui est autour de la ville de Douala. Bon, ben, l'engouement depuis le retour de Samuel Eto'o aux affaires, il y a un grand engouement autour du football camerounais. Vous savez, depuis un temps, le Cameroun a perdu le goût du ballon. Après le retour de Samuel Eto'o, les Camerounais ont encore foi au football. Voilà l'objet, c'est ça la fierté du Cameroun. Et au moins, vous savez, ça donne du goût. Ça donne du goût, puis on se dit, avec lui, on a de l'espoir. Mais ça ne doit pas faire perdre de vue Eto'o. Il est administratif aujourd'hui, il n'est plus sur le terrain. Le terrain, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas Eto'o qui viendra jouer au stade. Est-ce que vous disiez aux supporters algériens qui vont faire le déplacement ici à Douala? Non, non, qu'ils sentent chez eux. Le Cameroun et l'Algérie sont les pays frères. Il ne doit pas avoir un climat d'harmonicité. On doit se sentir chez nous, c'est le football, c'est un jeu. Restons fair play et les meilleurs gagnent. Que si l'Algérie gagne, on va applaudir pour l'Algérie. Parce que l'essentiel, c'est que ceux qui représentent l'Afrique soient un bon représentant. Ok. Ouais, justement, avant le match, comment vous trouvez ce match Algérie-Cameroun? Pour ce que je peux vous dire du match Algérie-Cameroun, je vous dirais que les deux pays se connaissent il y a très longtemps. Ces deux pays se connaissent très bien. Et par rapport à ce match particulièrement, je ne saurais vous dire que c'est l'Algérie ou le Cameroun, mais c'est malheureux seulement que entre ces deux pays, un seul ira au Qatar. Moi, j'aurais voulu voir l'Algérie et le Cameroun au Qatar parce que ces deux pays ont une valeur footballistique africaine. Ces deux pays se valent. Pour ce qui concerne le Cameroun, en tant que Camerounais, je ne peux qu'avoir de sentiments pour mon pays. Et ça, ce qui ne veut pas dire que l'Algérie n'est pas une équipe de football. L'Algérie, c'est une nation de foot. Mais comme Camerounais, je suis obligé de supporter mon Cameroun. Mais j'aurais voulu voir ces deux pays-là à la Coupe du Monde, franchement. Merci. Oui, merci. ايضا معنا هذا المناصر وايضا هذا البائع ايضا الاقمصه comment vous voyez le match algérien Cameroun? On reconnaît que l'Algérie c'est une grande nation de football. Ils ont fait leur preuve pendant la CAN. Nous tous les deux on veut aller à la Coupe du monde. L'Algérie comme le Cameroun. Mais comme le Cameroun joue à domicile avec le 12e joueur, on pense que c'est le Cameroun qui aura le dessus sur l'Algérie. Justement, il y a des supporters de l'Algérie qui vont faire le déplacement ici à Douala. Qu'est-ce que vous dites à les supporters algériens? Non, ils seront accueillis comme d'habitude. On va leur réserver un accueil chaleureux. Sauf qu'il y aura plus de supporters camerounais qu'algériens. Même si on importe toute l'Algérie au Cameroun, il y aura plus de supporters qu'algériens. Justement, qu'est-ce que vous voulez vous dire au bienvenu? Oui, je voudrais vous offrir un maillot du Cameroun. Ça, c'est le maillot du Cameroun que j'aimerais bien vous offrir. Merci beaucoup, ouais, c'est très gentil. Merci frère. Ouais. Moi aussi, je voulais t'offrir un maillot d'Algérie. Ok, bien. Pas de souci. Henri. Bien. Merci. Moi aussi, j'ai un maillot d'Algérie. D'accord. Je vais t'offrir un maillot. Ok. Non. Ok. Bon, la caméra. Ok. Non. Ah. Voilà. C'est ça la fraternité entre les Africains. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci aussi. Que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. إذا هذا المناصر الذي أهدانا قميص المنتخب الكاميروني. هذه إذا مباراة في كرة القدم والأخوة بين الشعبين الكاميرونيين والجزائري هي الأهم. عودة لك وللأستوديو زميلتي ابتسام على أن نلتقي في مواعيدنا اللاحقة في تغطية آنية مباشرة وحصرية من مدينة دوالا لقناة النهار الوسيلة الإعلامية الوحيدة والأولى هنا في مدينة دوالا. شكرا جزيلا لك زميلنا كمال مهوي، كنت معنا مباشرة من دوالا الكاميرونية.